you, thank Pastor. You, sir. Praise the Lord. Yeah. Hallelujah. Looks like you are just waking up. I said, praise the Lord. Hallelujah. Let's pray together. Father, we thank you for this time. Thank you for the word. Thank you for the revelation. And we know that the word, the revelation, is supposed to wake us up, turn us around, and make us face the ministry, the calling you have given us. Lord, I pray, anything that will hinder us, come between us at the fulfillment of the great commission you have given. I pray that you take it from every life, every family, every minister, in Jesus' name, impart every life today. And help us, Lord, to be doers of the word, and that the work of God will prosper in our hands. Thank you, Lord, for the answer. In Jesus' name we pray. God bless everyone. Please be seated. We appreciate you coming early for such a session like this. The book we're looking at, which is the book of Jonah, the prophet of God, sent by God, called by God, commissioned by God, and then he himself. Et nous voulons voir sa réaction à travers cet appel. Et à travers les Écritures, toutes choses sont écrites pour notre édification jusqu'à la fin de ce monde. Nous allons toujours revenir sur le chapitre 1, mais nous sommes dans Jonas 1, à partir du verset 1. Le Seigneur lui dit de se lever, d'aller à Ninive, dans cette grande ville, et de crier pour leurs péchés. Et nous voyons aussi au verset 3. Mais Jonas se leva. Le Seigneur lui a dit de se lever. Il s'est levé. Mais vous savez, c'est le mot qui suit, qui est « mais ». Ce qui explique que le Seigneur lui a dit d'aller dans un sens et il est allé dans un autre sens. Il est allé à Tarsis. Et il est allé. Alors chaque fois quand nous nous écartons du plan de Dieu, de l'objectif de Dieu, alors nous nous enfonçons. Ça peut sembler que nous allons de l'avant, mais en réalité nous nous enfonçons. Et chaque fois que nous voyons, chaque fois que nous constatons que le Seigneur nous appelle à faire, nous voyons que il est dit ici qu'il est descendu. Et ce n'est pas la voie, ce n'est pas le chemin que le Seigneur l'a appelé à faire. Il est allé entrer dans un moyen de transport qui l'amène dans le sens inverse. Mais il a payé le prix. Il est allé en bas. Et il est allé avec eux à Tarsis, loin de la face du Seigneur. Il devrait aller pour quelque chose de tangible, de concret, mais il est allé vers l'inutilité. Alors, où est achevée cette course? Rien n'a accompli pour le Seigneur. Au verset 4, on voit au verset 4 où le Seigneur envoya une grande tempête sur la mer. En fait, le Seigneur a envoyé cette tempête pour le sauver de cette vie d'inutilité. Alors, quand nous voyons, nous passons notre temps à déployer notre énergie pour des choses inutiles. Quand nous passons cette vie précieuse que le Seigneur, cette formation précieuse pour autre chose, alors le Seigneur vient pour nous sauver de cette inutilité et de tout ce qui ne sert de rien. Et pour arriver à cela, le Seigneur peut permettre un problème. Il peut permettre une situation qui va nous réveiller pour réaliser et nous se demander, où suis-je? Que fais-je? Et alors le Seigneur envoya cette grande tempête sur la mer. Jusqu'à ce que le navire a voulu s'écraser. Et c'est le chef
des matelots qui est venu faire tout ce qu'ils devraient faire, mais ils ne pouvaient pas. Ils essayaient leur meilleur pour pouvoir aller contre la tempête. Ils ne voulaient même pas l'arrêter. Alors c'est seulement son voyage qui le conduisait dans l'inutilité. Nous voyons ici au verset 15. Nous voyons ici qu'ils l'ont pris et ils l'ont jeté dans la mer. Et ainsi la tempête s'arrêta. Et il y eut ce grand calme. Ce matin, nous observerons un important sujet. Libérer. Vous savez, si c'était de ma vie, je pouvais éviter toute cette tempête, toutes ces souffrances et ces choses qui arrivent pour perturber notre tranquillité. Mais avant que tout cela s'arrête, qu'est-ce que je dois accomplir dans ma vie? Si dans ta vie, les difficultés, les problèmes, les maladies qui viennent, si nous pouvons les éviter, si chaque jour pouvait être libre, si notre vie pouvait être tranquille de tous ces problèmes inutiles, alors qu'est-ce que nous devrions faire? Et c'est pour ça que nous sommes là ce matin. La libération des souffrances terrestres évitable. La libération des souffrances terrestres évitable. Je dis, aujourd'hui c'est ton jour. Le Seigneur te libérera entièrement dans le nom de Jésus. Alors, nous allons observer les caractères de Dieu dans Lamentation. Nous allons apprendre quelque chose ici de la caractère de Dieu. Le Seigneur peut nous accorder, nous faire passer par des peines, mais il ne dépasse jamais l'accomplissement de sa parole. Lui, ce Dieu si tout-puissant, peut s'énerver, mais il a toujours la miséricorde. Voyons ici au verset 30 qu'il ne va jamais nous affliger volontairement. Il ne va pas faire lever une tempête volontairement, intentionnellement. Ni un membre, ni un dirigeant, ni un ouvrier. Leur apporter des afflictions juste intentionnellement. Non, ça ne fait pas partie de la nature de Dieu, ça ne fait pas partie du caractère de Dieu. Et nous voyons verset 37. Qui est celui-là qui le dit? Et tout s'arrête quand le Seigneur ne le demande pas. Qu'est-ce que le diable peut faire si le Seigneur ne lui permet pas? Qu'est-ce que ton ennemi peut te faire si le Seigneur ne le permet pas? Qui est celui-là sur cette terre, dans les cieux, dans la mer, sur la mer, dans les forêts, au-delà de toutes ses forces, qui dit et ça s'accomplit si le Seigneur ne le permet pas? Quand j'observe ma vie et je vois quelque chose qui se passe, je dois dire, ah, c'est sûrement sûr que le Seigneur sait ce qui se passe. Alors, par voie, le Seigneur, de façon non intentionnelle, peut toujours permettre cela. Et alors, je dois comprendre, dire, ah, Seigneur, je l'ai compris. Et alors, je peux corriger rapidement cela. Et alors, les souffrances seront terminées sur ta vie. Les souffrances seront enlevées. Dans votre vie personnelle, tout cela sera enlevé. Et nous allons éviter ces souffrances évitables. Nous voyons ici en trois choses. Le premier point, c'est la reconnaissance des souffrances évitables.
Deuxièmement, c'est le rappel des tempêtes évitables. Et troisièmement, nous verrons, répétons rapidement au premier point, la reconnaissance des souffrances évitables dans la vie. Regardons rapidement dans Jérémie. Le Seigneur est en train de parler toujours à Genève. Un prophète qui dort. N'ai-je pas prévu pour tout ceci? Alors, ce serviteur, ce prophète prodige, n'as-tu pas considéré étant quelqu'un en un mauvais endroit, au mauvais moment, faisant la mauvaise chose, n'as-tu pas vu tout ceci? Que tu as déjà oublié ton Seigneur quand il te conduisait ailleurs, quand tout allait très bien. Et il te disait, c'est pour cette direction que je t'appelle, et alors quand tu vas dans une autre direction, ce n'est pas alors quelque chose qui vient de toi. Ça, c'est juste inutile. Regardons ici au verset 19. Ta propre faiblesse te corrigera, ton propre péché, ta propre fuite du Seigneur, ta propre fuite de la présence du Seigneur te corrigera. Et le Seigneur permettra que cela se corrige. Et c'est ça, c'est le problème de Jonas. Et c'est le problème de tous les chrétiens aujourd'hui. Regarde alors. C'est ce que tu as fait qui t'a mené, qui t'a conduit à t'éloigner du Seigneur. Et ma crête n'est pas dans cela. Et c'est ce. Nous allons également ici rediviser cela, subdiviser cela en trois points. Nous voyons ici l'imposture personnelle dans les souffrances. Et le deuxième, ce point ici, nous voyons Jonas fuyait et s'éloignait du Seigneur et allait rejoindre certaines personnes. Et alors, à cause de cela, la tempête est arrivée. Et la tempête est arrivée sur la mer alors que ils étaient sur cette mer. Ils avaient alors été emportés. Nous voyons ici. Jonas est un fuyard. Ils ont accepté, ils l'ont même accompagné et ils étaient en train de même justifier ce fuyard. Il leur a dit qu'il était s'il était serviteur de Dieu, prophète de Dieu. Et ce que je suis en train de faire, je suis en train de fuir de sa présence. Et même quand ils savaient cela, ils ont continué de faire tout leur meilleur pour aider ce monsieur-là à fuir de la face de Dieu. Et cette souffrance qu'ils avaient ici, c'était des afflictions de soi-même. Premièrement, c'était le propre choix. Et deuxièmement, vous savez, nous devons nous poser souvent cette question. Quand quelque chose arrive, qu'est-ce que nous devons faire? Au lieu de courir, dire, je lis le démon, je lis le diable, je dis. Mais il faut que nous nous posons la question. Est-ce que ce n'est pas une situation venue de nous-mêmes? Est-ce que ce n'est pas nous-mêmes qui nous imposons cette situation? Les situations deviennent si dures, si lourdes. Est-ce que ce ne sont pas des choses que nous avons conduites nous-mêmes? Et des choses nous conduisent dans des situations impossibles à vivre? Est-ce que tu ne devais pas te demander, est-ce que ce n'est pas venu de soi-même? Est-ce que ce n'est pas une affliction de soi-même? Alors nous devons chercher toujours là où le problème, d'où le problème vient.
Ouais, d'où est venu le problème? Et c'est quand nous voyons cela, quand nous arrivons cela de cela que nous pouvons alors obtenir la solution. Le premier point, les souffrances imposées par soi-même, par Jonas le zélé. Qu'est-ce qu'il était en train de faire? Il était en train de faire l'impossible, fuir de la face de Dieu. Voyons dans Jérémie 23 au verset 4. La question ici nous est posée. Est-ce que quelqu'un peut fuir de la présence de Dieu? Qui que la personne soit, quel que soit ce qu'il connaît, quel que soit ce qu'il a essayé d'accomplir, est-ce que quelqu'un peut fuir de la présence de Dieu? Et elle me dit, que vois-tu? Répondent des filles. Le Seigneur est partout. Il est omniprésent. Comment pouvons-nous fuir de sa présence? Comment pouvons-nous nous cacher de lui? Et c'est ce que Jonas essayait de faire. Et si tu es en train d'essayer de faire quelque chose, et tu regardes par ici, par là, et tu te demandes, le Seigneur te demande, ah, le Seigneur connaît toutes choses. Le Seigneur sait toutes choses. Et le Seigneur voit toutes choses. Il n'y a rien que tu puisses essayer. Il n'y a rien que tu puisses faire. Même nos pensées dans nos cœurs, même les plans que nous avons dans nos pensées, le Seigneur sait toutes choses. Ainsi, quelqu'un peut fuir et se cacher en un endroit. Non, notre Seigneur, il sait toutes choses. Mais vous savez, Jonas a continué à vouloir courir loin de la foi. Allons dans Psaume 105, le verset 17. Il nous dit, il appelle ces gens des fous à cause de leur transgression. Cet enfant prodige qui a fui. À cause de leur transgression et à cause de leurs iniquités. Pas parce que c'est la volonté de Dieu. Ce n'est pas le problème de la du sage. Le sage entendra la parole de Dieu et réagira proprement à la parole de Dieu. Il marchera dans la voie du Seigneur qui conduit à la vie abondante et réussite. Et la vie qui est digne d'être vécue. Alors c'est le fou qui fuira de la voie du Seigneur à cause de leur transgression et à cause de leur iniquité. Ils sont alors affligés. Il sera ses pieds dans des liens et on les met au fer. Vous savez, quand les gens entrent dans cette situation, ils ont une mentalité déjà établie qui se dit, ah, ça ne peut pas m'arriver, le Seigneur ne peut pas me faire ceci. Et ils deviendront fous, ils seront en train de s'enfuir de la présence de Dieu et du plan de Dieu et de l'objectif de Dieu. Et le Seigneur a des enrichissements. Il sait pourquoi il nous a créés et il sait pourquoi nous devons accomplir ceci et ce que nous devions être à un moment bien précis. Et si nous devenons fous et nous avons cette prédisposition contraire à la volonté de Dieu, le Seigneur permettra à ce que cette tempête nous arrive pour nous ramener de la raideur de cou. Nous devons comprendre. Ils sont arrivés aussi proches de la mort à cause de leur folie. Ils ne devraient pas en arriver à là. Nous voyons ici au deuxième point ici. La souffrance auto-induite par l'association aux pécheurs. Nous connaissons déjà l'histoire. Allons au verset 5 de Jonas 1. Tous les marins criaient, chacun criait à son Dieu. Ils ont rejeté tout leur bien qui était dans le navire pour pouvoir l'alléger.
Mais Jonas était à l'intérieur. Et alors, il dormait. C'était comme si la désobéissance et la rébellion dans le cœur de Jonas étaient un sédatif même pour lui. Vous savez, ce ne sont pas les yeux qui dorment, ce n'est pas le corps qui dort, c'est en fait le cerveau. Toutes ces choses, ces pilules que les gens prennent les conduisent à dormir. Ils ont des effets sur notre vue. Si quand tu prends des pilules pour dormir, des somnifères, tu seras en train de dormir. Même si tes yeux sont ouverts, alors tes yeux seront affectés. Et la rébellion de Jonas avait cet effet-là sur lui. Il était le seul dans ce navire-là qui connaissait le Tout-Puissant Dieu, la puissance de ce Tout-Puissant Dieu. Et il ne pouvait pas prier correctement ceux-là qui n'avaient pas Dieu. Mais cet homme qui avait la clé pour le ciel, la clé pour l'attention de Dieu, il était endormi. Au verset 11, qu'est-ce que nous devons lui faire maintenant pour que la mer se calme? Parce que la mer était orageuse. Et nous voyons sur verset 12 ici, il leur dit, prenez-moi et jetez-moi dans la mer. Quand nous suivons le chemin de la rébellion, de la désobéissance, nous sommes plus droits, corrects dans nos façons de penser. Nous n'analysons plus bien. Qu'est-ce qui est devant nous et que devons-nous faire? Il ne pouvait même plus dire ce qu'il devrait dire. Il savait que c'était à cause de lui que la tempête était là. Et il savait que si je n'étais pas entré dans vos vies, entré dans cette situation, toutes ces choses ne vous arriveraient pas. Et il le savait très bien. Il se demande maintenant, ah, quelle est la solution? Devrais-je me repentir? Devrais-je aller à Dieu? Il ne pensait pas à tout cela. Devrais-je aller au Seigneur comme le fils prodige ou la fille prodige? Il s'est dit non. Laissez-moi avec Dieu, mais laissez-moi résoudre ma situation. Penses-tu que tu serais jeté dans la mer et tu meurs, c'est fini? Il ne pensait plus aux conséquences de ses actions. Quand nous nous égarons, quand nous ne pouvons plus prier, quand nous sommes plus sages selon la parole de Dieu, selon la connaissance de Dieu, nous faisons des choses incorrectes, des choses insensées qui ne marcheront jamais, des choses que nous ne devions pas faire. Nous allons de mal en pire. Et il leur a dit ici, prenez-moi et jetez-moi dans la mer pour que la mer se calme. Parce que je sais que cette grande tempête est sur vous à cause de moi. Vous savez, c'est ça qu'on est en train de dire ici. C'est de la souffrance auto-imposée, induite, en s'associant au pécheur. Allons dans Hébreux 12. Hébreux 12, le verset 15. Hébreux 12, le verset 15. Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise du trouble, et que plusieurs ne soient infectés. Que plusieurs ne se perdent, que plusieurs ne soient égarés. Et quand quelqu'un n'est pas repenti de ses égarements et il s'associe à d'autres
personnes ou d'autres personnes s'allier à lui. Et le ciel qui devait s'effondrer ne s'effondra plus seulement sur sa tête seulement, mais s'effondra sur la tête de tout le monde. Au verset 16 ici, nous voyons c'est à ce qui n'y est ni impunique ni profane, comme Esaü qui pour un mai vendit son droit d'aînesse. Allons rapidement ici au sous-point 3 ici, la souffrance auto-affligée des justificateurs, des faux au cou raide, des fous au cou raide. Il se demandait ici comment on peut abandonner Joseph et Jonas comme ça. Il est déjà dans le navire avec nous. Et du fond de l'amour humain, il ne pouvait pas dire qu'il ne savait pas par quoi passait Jonas. Et ni moins ce par quoi ils passaient eux-mêmes. Mais volontairement, de façon délibérée, de façon ouverte, ils disent, nous allons maintenant le soutenir. Il est avec nous désormais. Vous savez, il arrive, des fois, nous prenons pitié. Nous nous apitoyons sur des personnes qui affrontent Dieu. Et nous comprenons que ceci qui se passe, ceci qui arrive, il se demande pourquoi nous pouvons l'abandonner. Mais tu peux lui dire la vérité et tu peux prier pour lui. Il dit, ce n'est pas la bonne chose à faire. Tu es en train de fuir de la présence de Dieu et tu viens de nous dire que ce même Dieu du ciel et de la terre, tu étais en train de fuir de lui. Alors, il pouvait lui dire, comment tu peux fuir d'une si grande personnalité? Il pouvait lui demander, ah, tu es un prophète. Si je viens à toi et je te dis que j'ai fait ça contre Dieu et que c'est à cause de cela que je souffre. Toi, Jonas, le prophète, dis-moi ce que tu devrais me dire pour me conseiller, pour me montrer la voie, pour me dire les pensées de Dieu. Si je viens à toi te disant que cette souffrance auto-imposée est en train de me ronger, que devrais-tu me conseiller, oh mon frère, ma soeur, éco-ministre, et voilà ce par quoi je suis passé, je sais pourquoi je suis passé. Et actuellement, la pression est insupportable. Et si c'était une autre personne, comment devrais-je conseiller ce monsieur, cette personne, pour résoudre le problème? Et Jonas devrait avoir pensé à ce problème. Il a dit, oh, je ne vais même pas me conseiller moi-même. Je ne vais même pas penser à ce que j'aurais dû dire à quelqu'un dans la même situation. Jetez-moi dans la mer et alors la mer se calmera sur vous. Et il sait que c'est à cause de moi que cette grande tempête est arrivée. Voyons verset 3. Ces hommes très ailés. Et c'est ce que nous faisons dans le passé. Ça n'a jamais donné un résultat positif. Et à présent que tu sais, malgré que tu le sais, tu as continué dans la même chose. Ça nous arrive souvent, même nous-mêmes. Avant de connaître la direction dans laquelle il faut aller, nous faisons certaines choses. Nous faisons tout durement. Et nous dépensons fortement. Et ces choses ne passaient pas bien. Et vous savez, quelqu'un vient et nous donne l'ouverture d'esprit, nous éclaire et nous savons désormais. Voici la raison pour la chose se passait. Pas seulement cela. Il nous donne de la clairvoyance à faire ceci et cela basé sur la parole de Dieu et toutes choses seront bien. Vous savez, nous laissons cette révélation, nous laissons ce conseil, nous laissons ces instructions et nous continuons pas à faire la même chose. Et quelqu'un dit, si tu continues de voyager sur le même chemin, tu vas finalement arriver à la même destination. 10 ans auparavant, ces choses sont arrivées, ceci est arrivé, ça n'a apporté rien de bon. 5 ans après,
ça vient encore et on continue pas à faire la même chose, ça ne donne rien de bon. Et nous voici encore, on est en train de parler. Tu es plus âgé 10 ans de plus qu'il y a 10 ans. Et le même problème, la même situation vient et tu continues à faire la même chose. Si ça n'avait pas marché de par le passé, ça ne passera plus également. Il n'y a pas autre chose à faire. Il n'y a pas une autre alternative. Il n'y a pas autre façon de refaire. Il se dit, ah, je l'avais déjà fait de par le passé, ça n'a pas marché. Comme si on n'avait plus rien dans la tête. Retournez-vous et demandez-vous pourquoi la chose ne marche pas et que devais-je faire à nouveau. Et alors en faisant cela, le Seigneur résoudra nos problèmes. Le Seigneur résoudra mon problème aujourd'hui. Le Seigneur résoudra ton problème dans le nom de Jésus. Mais nous devons changer la direction, la route, les choses que nous faisions. Et quand ces changements arrivent, je crois, les choses deviendront meilleures dans la vie et dans le ministère. Lisons dans Romains 1, au verset 28. Romains 1, au verset 28. Comme ils ne sont pas souvent cités de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur sens réprouvé. Il y en a qui ne veulent pas souvent connaître les pensées de Dieu. Ils diront, ce n'est pas scientifique, ce n'est pas biologique, ce n'est même pas une connaissance historique, ce n'est pas raisonnable. Ce que le Seigneur leur dit, ça ne leur paraît pas sensé, ça ne leur paraît pas logique. Et les pensées de Dieu ne sont pas nos pensées, ses voix ne sont pas nos voix. Alors quand il nous parle, selon nous, notre connaissance, ça va nous bloquer. Et alors, ils veulent comprendre Dieu limiter Dieu dans leur connaissance. Et comme ils ne se sont pas cités de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur sens réprouvé pour commettre les choses indignes. Lisons ici au verset 32. Et bien qu'ils connaissent le jugement de Dieu, déclarant digne de mort ceux qui commettent de telles choses, non seulement ils les font, mais ils approuvent ceux qui les font. Vous savez, c'est comme si la vieille se déroule très bien. Et les gens sont comme des poissons déjà morts qui sont en train de flotter sur l'eau. Ils ne se disent pas, ah, quel est l'objectif de ma création, de mon appel? Et je pense qu'il a un temps pour s'arrêter, pour penser, pour évaluer et faire le décryptage de notre vie et se demander, est-ce que je ne suis pas ce poisson déjà mort qui flotte sur l'eau? Et alors demander à Dieu, dis-moi quoi faire et le Seigneur te dira quoi faire. Nous sommes maintenant au deuxième point ici. Le rappel de la tempête et de la paix évitable. Le rappel de la tempête et de la paix évitable. Nous lisons ici dans Actes 27 au verset 18. Comme nous étions violemment battus par la tempête, le lendemain, on jeta la cargaison à la mer. Au verset 19, et le troisième jour, nous y lançâmes de nos propres mains les agrès du navire. Au verset 20 ici, dit, le soleil et les étoiles ne parurent pas pendant plusieurs jours, et la tempête était si forte que nous perdîmes enfin toute espérance de nous sauver. Au verset 21, après une longue abstinence, ils ne pouvaient même plus pousser plus que ça. On n'avait pas mangé depuis longtemps. Alors Paul, se tenant au milieu d'eux, leur dit, « Oh, homme, il fallait m'écouter et ne pas partir de Crète. » Vous savez, vous devrez m'écouter. Vous avez cette dévotion familiale et la parole était là. La solution était arrivée.
homme, vous auriez dû écouter ce qui vous est dit. Tu as ta dévotion personnelle et le Seigneur t'a parlé là. Frère, sœur, tu aurais dû écouter le discours de Dieu, la parole de Dieu. Bien avant que tu n'entres dans cette tempête, dans cette souffrance, le Seigneur te l'a montré préalablement. Que cela sera la conséquence de ce que tu fais. Et c'est ça que l'apôtre disait ici. Voyez toutes les choses perdues. Voyez toutes les choses que nous avons traversées. Vous auriez dû m'écouter. Que cela ne devrait pas être. Il ne fallait pas partir de Crète. Est-ce qu'un conseiller écoute les conseils? Est-ce qu'un enseignant écoute l'enseignement? Est-ce que les gens qui essaient d'ouvrir les yeux de ceux-là qui sont aveugles, est-ce qu'ils ouvrent? Ils ont leurs propres yeux ouverts. Est-ce que nous qui sommes les serviteurs de Dieu, qui conservons les gens, quand nous leur disons, voici la voie à prendre, est-ce que nous-mêmes nous écoutons le Seigneur quand il nous dit, voici la voie à prendre? Ou faisons-nous la même chose tout le temps, de la même façon, sans écouter quiconque? Quand était la dernière fois que tu as écouté une autre personne, un autre conseiller, un instructeur autre que toi? Quelle était la dernière fois que tu as écouté quelqu'un? Et quelle était la dernière fois que tu as pris une décision précise pour que ces choses arrivent à la fin, finissent, afin d'éviter ce péril et ce dommage? Il fallait m'écouter et ne pas partir de Crète afin d'éviter ce péril et ce dommage. Il dit ici, si vous m'avez écouté, nous aurions pu éviter tout ça. Ces choses pour lesquelles nous avons travaillé, les choses que nous avons mis dans le navire, nous avons tout perdu et c'est nous-mêmes qui les avons jetées. Si vous m'avez écouté, tout ce péril et ce dommage aurait pu être évité. Maintenant, je vous exhorte. Au verset 22, je vous l'avais fait déjà, je vous avais déjà exhorté au départ, mais maintenant je vous exhorte à prendre courage. Et le Seigneur m'envoie à nouveau, je vais vous exhorter, je vais encore vous encourager. À prendre courage, car aucun de vous ne périra et il n'y aura de perte que celle du navire. Gloire à Dieu! À présent, l'apôtre Paul, c'est un homme de l'Ancien Testament. Il savait ce qui est arrivé à Jonas et était en train de lui arriver. Et le navire devrait se briser. Mais il n'a pas suivi l'exemple de Jonas. Il ne s'est pas jeté de la mer. Quand vous lisez n'importe quel histoire dans l'Ancien Testament. Maintenant, la question est de se demander, est-ce que je dois copier cela entièrement ou dois-je apprendre de cela? Et te dit, ça c'est la parole de Dieu, c'est ce qu'ils ont fait, c'est la même chose que je ferai. Quel était le résultat que les gens ont obtenu quand ils ont fait ce qu'ils ont fait? L'apôtre Paul connaissait l'histoire de Jonas et il savait que c'était la même situation dans laquelle il se retrouvait. Et il s'est dit, je ne fuirai pas de la face de Dieu. Et il savait qu'il ne devait pas être enfin. Il les a encouragés. Il n'a pas plongé dans la mer. Il y a des temps, des moments que nous devons nous asseoir et analyser ces histoires que nous avons apprises. Si le Seigneur nous donne la compréhension dans le nom de Jésus. Nous voyons ici trois choses également. Souvenez-vous de Salomon. Ici, le premier point, c'est Samson et Salomon. Deuxièmement, c'est Samson. Et troisièmement, nous verrons Saül. Premièrement, souvenez-vous de la tempête et de la paix de Salomon. Deuxièmement, rappelez-vous l'assujettissement
de Samson par la convoitise. Et troisièmement, repenser à l'entêtement, au contentement de Saül. Nous repartons au premier. Souvenez-vous de la tempête et de la paix de Salomon. Qu'est-ce qui est arrivé à Salomon? Salomon était l'homme de faveur de Dieu. Et le Seigneur lui a accordé une promesse, une provision que qu'un autre roi n'a jamais eu sur cette terre. Et actuellement, le Seigneur se leva, dressa des adversités contre Salomon. Pourquoi le Seigneur ferait cela à quelqu'un si favorisé, ce roi si spécial, cet homme qu'il a aimé si fortement? Repartons verset 1. Nous sommes au chapitre 11, verset 1. Un roi. Vous savez, il y en a ces gens-là qui pensent qu'ils sont si favorisés de Dieu, qui pensent qu'ils peuvent tout faire. Ils ont le permis de tout faire, ils sont si intouchables. Et ils pensent que ça peut arriver à d'autres, mais ça ne nous arrive pas parce que nous avons une alliance, une relation si spéciale avec Dieu. Ils pensent que les autres peuvent ne pas le faire, mais eux, ils sont des favorisés prophètes de Dieu. Ils ont la royauté favorisée par Dieu. Ils sont enfants favorisés de Dieu. Et ils prennent le Seigneur à la main. Et tout ce que le Seigneur a interdit de faire, les Israélites ne devaient pas faire. Il dit, oui, je le sais. Mais je n'ai pas. Mais vous devez comprendre que le Seigneur me gère comme une personne spéciale. Même si une autre personne le faisait, il se retrouvait dans un problème. Il pense qu'il peut le faire. Mais n'oubliez pas que le Seigneur n'a d'acception de personne. Il n'est pas un Dieu partiel. Il n'est pas dans les différenciations. Et on voit ici au verset 2 qu'il est allé vers cette nation-là que Dieu avait interdit d'aller se marier, d'aller se lier. Parce qu'ils se détourneront, ils détourneront ton cœur de Dieu. Et le Seigneur est allé s'allier à cela. Ils disent, je suis sauvé. Et la façon dont j'ai été sauvé a été si spectaculaire. J'ai été sanctifié. Je suis si sanctifié que je suis sûr que je ne pourrai plus me détourner du Seigneur. Vous savez, quand le Saint-Esprit est venu sur moi comme ce torrent puissant, c'était même similaire à ce que j'ai lu de Charles Finney, de ce que j'ai entendu de Kenneth Hagin. Et à cause de cela, ils pensent qu'ils peuvent tout faire. Non, ce n'est pas comme ça que le Seigneur fonctionne. C'est ce que Salomon a dit exactement. C'est ce qu'il a même pensé. Que ces nations-là, que le Seigneur a interdit d'aller à eux, il est allé s'allier à eux. Et nous voyons ici qu'il est allé jusqu'à avoir 700 femmes et 300 concubines. Tu n'as pas appris de ton père, et alors toutes ces femmes ont détourné son cœur de Dieu. Vous savez, on dit, ah, je suis si enraciné avec le Seigneur, on dit, personne ne peut me dévier, personne ne peut me détourner. On voit ici que ces femmes au pluriel ont détourné son cœur de Dieu.
Et au verset 4, il dit ici que quand Salomon était vieux, à l'époque de la vieillesse de Salomon, vieux dans son âge, vieux dans ses pensées, vieux dans son dans sa réflexion, mais il était vieux, il était âgé, mais il y aura vieux, mais rétrogradant. Mais la compréhension qu'il avait avant est devenue vétuste. Et la vigueur qu'il avait est partie. Les vieilles personnes, les personnes âgées, s'ils ne lisent pas leurs paroles, s'ils ne lisent pas la parole, s'ils ne vérifient pas tout ce qu'ils ont eu au début, s'ils n'examinent pas et réexaminent leurs convictions passées, ils deviennent si âgés qu'ils oublient. Il a oublié les commandements, les avertissements que son père lui a donnés. Si tu abandonnes le Seigneur, il va t'abandonner. Mais si tu écoutes le Seigneur, il t'écoute. Voyez maintenant, le monsieur est si âgé. Il ne pouvait plus se souvenir de sa conviction au départ, de sa passion au début, sa première dévotion à l'époque de la vieillesse de Salomon. Ses femmes inclinaient son cœur vers d'autres dieux, et son cœur ne fut point tout entier à l'Éternel, son Dieu, comme l'avait été le cœur de David, son père. Premièrement, souvenons-nous de Salomon. Deuxièmement, rappelez-vous l'assujettissement de Samson par la convoitise. Ici, c'est un homme que le Seigneur envoya un ange à sa mère. Vous savez que sa mère était, elle était stérile. Et nous voyons ici toutes les caractéristiques là. Et nous voyons ici, l'ange de l'Éternel est apparu à sa mère. Tu es stérile et tu ne peux accoucher, mais tu accoucheras. Lisons au verset 4. Maintenant, prends bien garde. Ne bois ni vin, ni liqueur forte, et ne mange rien d'impur. Au verset 5. Car tu vas devenir enceinte et tu enfanteras un fils. Le rasoir ne passera point sur sa tête, parce que cet enfant sera consacré à Dieu dès le ventre de sa mère. Et ce sera lui qui commencera à délivrer Israël de la main des Philistins. À présent, comprenons ici quelque chose. La mère s'est reniée. L'ange lui a dit qu'elle accoucherait, qu'elle enfanterait. Elle dit qu'il fallait un reniement de soi. L'appel de Samson était de libérer, de délivrer les enfants d'Israël de la main des Philistins. Et Samson est ici dans une situation significative. Il y a le passé et le présent. Et tout ce que sa mère lui a demandé de faire. Si tout le monde se reniait par rapport à toi, avant que tu ne deviennes ce que tu es devenu, rappelle-toi toujours, c'est ce que d'autres ont fait. Et s'ils se sont reniés à cause de moi, je devais pouvoir faire la même chose. Et alors, avoir le même renouement de soi. Deuxièmement, regardez devant. Pourquoi tu es venu à un moment si précis dans le ministère? Sur la terre, pourquoi tu es arrivé? C'est parce que tu vas délivrer toute la nation, des millions de personnes, de ces ennemis si forts, si puissants qu'ils n'avaient jamais fait face.
et nous devons toujours regarder tout ce que les autres ont fait pour me conduire, pour que je sois ce que je suis. Et ensuite, toute personne que je devrais conduire à Dieu. Et quand nous nous réveillons tout le matin, je regarde. Ça, c'est ce que les gens ont eu comme reniement de soi. Et voilà ce que nous devons amener. Alors, deux situations du passé et du futur. Alors, ça pourra toujours ramener notre pensée à être correcte, à être droite. Et toutes choses seront droites. Nous connaissons ici l'histoire. Et Samson est allé ici, il a juste vu une femme. Ils sont commencés, je t'aime, tu m'aimes, et il a tout gâché. Les Philistins l'ont pris, il a perdu sa vue, il a perdu ses sens, il a perdu la direction de vie, il a perdu son autorité et sa position, il a perdu l'Esprit de Dieu. Elle a dit, ah, je me lèverai et je ferai comme les autres fois. Il ne savait pas que l'Esprit de Dieu l'avait déjà quitté. Voici des gens qui pensent qu'ils sont intouchables, imparables, qu'il n'y a rien qui puisse les toucher. Mais nous voyons ici l'histoire ici. Salomon, deuxièmement, nous voyons Samson. Lisons dans Proverbes. Proverbe 7 au verset 25. Que ton cœur ne se détourne pas vers les voies d'une telle femme. Ce n'est pas la faute des yeux en fait. Les yeux conduisent dans la direction que le cœur veut aller. Et c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Vous savez, toutes ces délits-là ne sont pas encore mortes. Elles sont ici, elles sont passées, elles sont par là. Et il dit, quand tu les vois, ne permets pas que ton cœur se décline vers elles. Ne les suis pas. Et au verset 26, car elle a fait tomber beaucoup de victimes. Ce qui est arrivé à Salomon, peut m'arriver, peut t'arriver. Mais nous ne sommes pas aussi sages que Salomon. Ce qui a arrêté Samson peut m'arrêter, peut t'arrêter. Samson était si puissant, mais ces choses-là ont réglé son compte. Et tous ceux qu'elle a tués, et ils sont nombreux, tous ceux qu'elle a tués, au verset 27, sa maison, c'est le chemin du séjour des morts. Sa maison, c'est le chemin du séjour des morts. C'est exactement au centre même de la voie qui conduit dans l'envers. Et tu passes et tu fais cela. Le Seigneur voit que de l'autre côté, au bout de son chemin, descend vers les demeures de la mort. Que le Seigneur délivre tout un chacun de nous. Et si nous savons, nous voulons être délivrés, vous savez, ça nous arrive, nos choses sont si fragilisées qu'on se demande, on peut continuer, comme si c'est Jonas. Vous savez, parfois, ce sont nos cœurs qui sont si collés à ces femmes, quels que soient ces liens, qui peuvent conduire à la destruction de ta propre vie, la destruction de ta famille. Le Seigneur coupera tout cela dans le nom de Jésus. Premièrement, c'était Salomon. Deuxièmement, Samson. Troisièmement, maintenant, repenser. Repensons à l'entêtement et le choix de Saül. Nous voyons ici, quand Saül devait se rebeller contre Dieu, il est allé. Le Seigneur lui a accordé en ce moment un cœur qui conduit toute personne. Et c'est ça que nous appelons la nouvelle naissance dans le Nouveau Testament. Et ces choses arrivent.
parce qu'il avait ce nouveau cœur, le Seigneur l'a appelé pour le conduire à faire quelque chose. Au chapitre 13 de 1 Samuel, il n'a pas bien fait. Et au verset 15, le Seigneur lui a accordé une nouvelle chance. Au chapitre 15 de 1 Samuel, au verset 15, verset 19. Pourquoi n'as-tu pas écouté la voix de l'Éternel? Pourquoi t'es-tu jeté sur le butin? Voyons ici au verset 22. Samuel dit, l'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. Car la désobéissance est aussi coupable que la divination et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie et les théraphimes. Puisque tu as rejeté la parole de Dieu, Saül savait que ceci c'était la parole de Dieu. C'est arrivé par le biais de Samuel. Et il a agi contrairement à cela, contrairement à l'appel de Dieu. Contrairement à ce que le Seigneur a demandé à ce qu'il fasse. Puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette aussi comme roi. Regardons ici la conséquence. Nous ne pouvons pas dire quelqu'un peut gifler Dieu et il n'y aura rien. On peut renier Dieu, il n'y aura pas de problème, il n'y aura pas de conséquence. On peut abandonner l'appel de Dieu et les plaisirs de Dieu, il n'y aura pas de conséquences. Mais parce que puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, c'est pas parce que le Seigneur ne voudrait plus que tu sois le roi, mais à cause du rejet, à cause de la rébellion, à cause de la désobéissance, que tu as rejeté ce que tu savais venant de Dieu, il t'a également rejeté comme roi. Au verset 24, il a dit ici, alors Saül dit à Samuel, j'ai péché. Pourquoi tu ne l'as pas dit au début, quand tu étais confronté, quand tu étais défié? Et c'est à l'heure, tu as dit, j'ai péché, car j'ai transgressé l'ordre de l'Éternel. Et je n'ai pas obéi à tes paroles. Regardez ceci, parce que je craignais le peuple. Vous savez, je peux te rappeler que même des millions de personnes ensemble ne sont pas comparables, ne sont pas égaux au Dieu créateur des cieux et de la terre. Et tu dis maintenant, à cause des gens, à cause de la crainte, je craignais le peuple. Et j'ai écouté ça. Bon. Maintenant, Saül, tu étais le roi. Si tu désobéis à ces gens-là, ils ne pourront rien te faire. Parce qu'ils sont amenés. Mais vous savez, l'homme dit que lui, il a oublié Dieu, il a rabâclé Dieu. Et il dit, parce que je craignais le peuple. Et j'ai écouté sa voix. Rappelez-vous, chaque fois que vous voulez faire quelque chose contraire à la volonté de Dieu, à l'appel de Dieu, et tu entres dans le sens contraire, comme il a appelé Jonas, souviens-toi de Salomon, souviens-toi de Samson et souviens-toi de Saül. Lisons 1 Chronique 10 à partir du verset 13. Et il a dit, Saül mourit parce qu'il se rendit coupable d'infidélité envers l'Éternel, dont il n'observa point la parole, et parce qu'il interrogea et consulta ceux qui évoquent les morts. Vous savez, il y a de ces gens, ils veulent que leur ministère s'étende spontanément
et plutôt que de s'appuyer sur le Seigneur Jésus-Christ, sur le calvaire et ce que le Seigneur a accompli pour nous et tout ce dont nous avons besoin, c'est Christ qui nous accorde la vie abondante, le succès abondant. Ils vont dans ces lieux occultes pour des puissances occultes pour faire des sacrifices qui vont enterrer par-ci. Et ils pensent que le Seigneur ne pouvait pas leur donner. Ils veulent accomplir l'œuvre de Dieu avec la puissance de Satan. Ils veulent faire cette œuvre qui conduit les hommes au ciel avec les forces de l'enfer. Pour protéger les enfants d'Israël contre les Philistins, il va à cette dame-là qui consulte et qui parle aux morts. Saül mourut parce qu'il se rendit coupable d'infidélité envers l'Éternel dont il n'observa point la parole et parce qu'il interrogea et consulta ceux qui évoquent les morts. Au verset 14 ici, il ne consulta point l'Éternel, alors l'Éternel le fit mourir et transféra la royauté à David, fils d'Ésaïe. Nous voyons le premier point, nous voyons le deuxième, nous voyons trois. Allons rapidement au troisième point, la libération des fouets évitables par le Seigneur. Et je prie que le Seigneur lui-même nous libère de ces afflictions, source de ce que nous avons commis, tout ce que nous avons fait, de la souffrance auto-imposée, de la souffrance auto-induite et de la souffrance auto-infligée. Et je prie que le Seigneur nous en libère dans le nom de Jésus. Allons dans Psaume 107. Psaume 107. Psaume 107 au verset 17. Les insensés parlent par leur conduite coupable et par leur inquiétude. Au verset 18 ici, leur âme avait en horreur toute nourriture et ils touchaient aux portes de la mort. Au verset 19, dans leur détresse, ils criaient à l'Éternel et il les délivra de leur angoisse. Il cria et il les délivra. Il pria et le Seigneur les exauça. Ils ont dit à Dieu, « Oh Seigneur, je ne savais pas, je n'étais pas prêt pour ce type de souffrance. J'ai réalisé que c'était à cause de ma folie. C'est parce que je suis devenu insensé, c'est parce que je suis devenu prodige. » Ils ont crié au Seigneur dans leur détresse et ils criaient à l'Éternel et il les délivra de leur angoisse. Au verset 20, il envoya sa parole. Il avait envoyé la tempête. Il avait envoyé les problèmes. Maintenant, c'est sa parole. Il a envoyé les situations. Cette fois-ci, c'est sa puissance qu'il envoie. Il envoie ces gens qui vont les relever. Il va te relever. Il t'envoie ses merveilles. Amen. Il envoya sa parole et les guérit et les fit échapper de la fosse. La libération des fouets évitables par le Seigneur. Nous voyons ici trois sous-points. Abandonner le lien. Suivre, deuxièmement. Troisièmement, se focaliser. Premièrement, abandonner. Deuxièmement, suivre. Troisièmement, se focaliser. Vous savez, il y a des choses. Ces choses qui m'ont amené dans problème, qui m'ont amené dans maladie, qui m'ont amené dans les tempêtes. Au revoir, au revoir. Tu ne devais pas avoir ceci, mais à cause de la cigarette, à cause de la boîte, parce que tu allais dans des endroits dangereux, ces boîtes de nuit, cette association de ces gens-là qui ont le cou raide, ces choses te sont arrivées. Deuxièmement, abandonne. Deuxièmement, suis. Tu veux les bénédictions de Dieu dans ta vie, suis maintenant le chemin droit. Troisièmement, focalise-toi. Tu es ici pour une raison, pour un objectif, pour un royaume. Focalise-toi. Tu es ici sur le terrain de l'œuvre. Focalise-toi.
premièrement ici, abandonne le lien de la servitude de Jonas. Et deuxièmement, suive l'époux Jésus qui appelle. Et troisièmement, se focaliser, croire et bâtir comme le juste. Nous partons rapidement au premier sous-point, abandonner le lien de servitude de Jonas. Le Seigneur est en train de dire ici, tu es ici à Babylone et tu agis, tu manges, tu bois comme un Babylonien, t'habillant comme les Babyloniens, planifiant et faisant toutes choses comme les Babyloniens. Le Seigneur te dit maintenant, ça t'a causé des problèmes. Jonas, voici ce qui t'a conduit les problèmes. Fuis, sors au verset 44 ici. Il dit, sortez du milieu d'eux et délivre tout homme. Oublie, abandonne. Abandonne ces choses qui t'ont conduit dans les problèmes. Qui ont conduit ta famille dans ces problèmes. Le Seigneur dit, fuis. Osée 8. Osée 8, Israël a rejeté le bien. Osée 8, 3. Israël a rejeté le bien. Ils ont rejeté l'appel de Dieu. Ils ont rejeté la volonté de Dieu. Israël a rejeté le bien. L'ennemi le poursuiva. La protection a été levée. Le guide a été oublié parce qu'ils ont rejeté le bien. Au verset 12 ici, que j'écrive pour lui toutes les ordonnances de ma loi, elles sont regardées comme quelque chose d'étranger. Le Seigneur était si excité. Ah, j'ai une instruction pour toi, j'ai un appel pour toi. Je suis si empressé de ça. Je t'envoie quelque part. Jonas, lève-toi, va à Ninive. Et tu te dis, ah, c'est pour ça que tu as appelé bonne chose, c'est pour ça qu'il t'exercice. Et Jonas dit, je ne suis même pas intéressé dans ça là. Je n'ai pas besoin de ton plaisir. Je ne suis pas si excité en ce. Et c'est comme cela, il a connu. Il dit, que j'écris pour lui toutes les ordonnances de ma loi. Elles sont regardées comme quelque chose d'étrange. Vous savez, les meilleures choses à faire dans la vie. Regardez ces choses dont le Seigneur est si excité, alors soyez excité dans cela. Ces choses dont le Seigneur est intéressé, soyez intéressé. Les choses sur lesquelles le Seigneur est si passionné, soyez passionné dans cela. J'ai écrit, que j'écris pour lui toutes ces ordonnances de ma loi, elles sont regardées comme quelque chose d'étranger. Et je prie que le Seigneur retransforme nos vies, qui tourne nos vies et les retourne à sa parole dans le nom de Jésus. Je pensais que quelqu'un crierait un plus grand Amen. Premièrement, c'est d'abandonner. Deuxièmement, c'est de suivre l'époux Jésus qui appelle. Il nous a dit dans Jean 21, au verset 20. C'est l'apôtre Pierre qui posait la question. Je sais pourquoi tu m'appelais, mais pourquoi celui-ci alors? Pierre s'étant retourné. C'est toi que j'ai appelé. C'est à toi de prendre cette décision personnelle. C'est à toi de te lever et d'aller. C'est à toi que j'ai parlé. C'est à toi de faire ce que je devais faire. Il dit, ok Seigneur, les autres. Et qu'en est-il de ceci? Qu'en est-il de ce ministre? Qu'en est-il de cette dame? Focalise-toi sur ce que le Seigneur t'a appelé et sur le Seigneur.
Jean 21 au verset 20. Pierre s'étant retourné, vit venir auprès, après eux, le disciple que Jésus aimait, celui qui pendant le souper s'était penché sur la poitrine de Jésus. Et il avait dit, Seigneur, qu'est celui qui te livre? Au verset 21, en le voyant, Pierre dit à Jésus, et celui-ci, Seigneur, que lui arrivera-t-il? Vous savez, nous nous retrouvons parfois dedans. J'ai fait ceci, si je fais ci. Et celui-ci, ah, si moi je change, et celui-ci, et ce frère, si je suis la voix du Seigneur, qu'en est-il de cela? Si moi je dois faire ceci, qu'en est-il de la vie profonde? Pourquoi et qu'en est-il de du ministère de la grandeur de vie? Qu'en est-il? Laisse cela. Et Pierre, le vent, dit, Seigneur, que lui arrivera-t-il? Et verset 22, on voit le Seigneur lui répondre. Jésus lui dit, si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, que t'importe? Toi, suis-moi. Mes projets avec d'autres personnes, que t'importe? C'est à toi le Seigneur parle. Et si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, que t'importe-t-il? Toi, suis-moi. Je le suivrai. Tu le suivras dans le nom de Jésus. Ici au sous-point 3, se focaliser, croire et bâtir comme le juste. Se focaliser, croire et bâtir comme le juste. Vous savez, on peut ne pas avoir assez de temps pour faire quelque chose, pour faire ci, pour faire ça, pour faire tout cela. Mais une seule chose est nécessaire et Marie a fait le bon choix et cela ne lui sera point imputé. Et Paul, l'apôtre, a dit la même chose. Une chose. Je cours pour accomplir cette course chrétienne. Vous savez, si ta vision, ta tête, tes pensées sont dispersées et tu te disperses dans les choses de cette terre, regardez un peu la course du soleil. Quand dans sa course, si ça arrive sur quelque chose, alors au lieu de voler, ça se concentre sur une chose, ça consomme cela. Et si tu concentres toute ton énergie, toute ta puissance sur une chose, tu la comprends. Quand nous regardons Josué, c'est juste une seule chose. Il s'est focalisé sur cette seule personne, Moïse. David, si c'était focalisé sur Nathan, vous voyez ici Timothée qui s'est focalisé sur une seule personne. Paul, si tu regardes ces projets, cette seule chose, tu te réveilles le matin, c'est la seule chose qui te vient. Voilà la seule chose que je fais. Et tu as ce genre de personnes qui sont multitâches, qui font ci, qui font ça. C'est ça qu'on appelle la focalisation, se focaliser. Tu te focalises sur le Seigneur Jésus qui est notre tout en tout, notre sauveur, notre sanctificateur, notre baptiseur du Saint-Esprit. Focalise-toi sur lui. Il est ce dont nous avons besoin. Focalise-toi sur un seul bout, un seul livre, la parole de Dieu. Toutes les promesses de Dieu sont là. Tous les commandements de Dieu sont là. Et il nous appelle. Voici ce que je vous ai donné, faites-le de cette façon. Focalise-toi sur un seul apôtre, aux païens, l'apôtre Paul. Et si le Seigneur nous commet une seule voie et nous conduit dans cette voie, allons dans cette seule chose. Et comme nous nous focalisons sur le Seigneur fera de nous des hommes réussis dans le ministère, dans le non-être. Si tu disperses toutes ces forces, toutes ces énergies, le Seigneur t'appelle maintenant de te focaliser. Tu as l'appel de Dieu, crois. Crois et bâtis comme le juste et l'œuvre de Dieu
Regardons rapidement. 1 Corinthiens 3. Nous sommes tous co-ouvriers avec Dieu. Et lisons ici au verset 9 ici. Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte. Et focalise-toi et bâtis. Et un autre. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit. Mais que chacun prenne garde. Et focalisons-nous. Demeurons dans ce que le Seigneur nous a appelé à faire et tu réussiras. Je réussirai. Et l'œuvre de Dieu prospérera dans nos mains dans le nom de Jésus. Une seule chose. Vérifiez. Vérifiez. Si une seule chose sur laquelle il faut vous focaliser. Priez par rapport à cela. Focalisez-vous. Mettez toute votre force dans cela. Où seras-tu quand le Seigneur t'aide à venir dans un an, dans 5 ans, dans 10 ans? Et tu grimperas toute montagne dans le nom de Jésus. Et tu vas sauter tout obstacle devant toi. Souvenons-nous de Jonas et disons-lui, au revoir, nous allons suivre la parole et la volonté de Dieu et nous réussirons. Je réussirai. La maladie s'envolera. Les tempêtes s'envoleront, les souffrances s'envoleront et le Seigneur pourvoira tous nos besoins selon ses promesses. Je vois ici un conquérant, je vois ici un victorieux. Où êtes-vous? Tenez-vous debout et prions. Dites au Seigneur, me voici, je sais que je réussirai dans le ministère. Le Seigneur m'a appelé. Il m'a établi et il a dit, voici ce qu'il veut que je fasse et cela sera fait. Lève-toi, parle au Seigneur par rapport à tout ce que tu as entendu et dis, oh Seigneur, je suis prêt pour faire l'œuvre pour laquelle tu m'as appelé. Et abandonne tout ce qui a abandonné. Suis l'épouse, suis l'époux que Jésus t'appelle à suivre. Focalise-toi.